Donc cette semaine, je fais une opération que je ne fais pas tous les ans. Et loin de le faire sur toute ma surface, je suis en train de labourer. Allez, je vous explique tout ça après le générique. Allez, je vais vous montrer de l'extérieur. Donc je laboure avec le 8245R qui a été déjumelé il y a la semaine dernière pour gratter derrière des betteraves. Bon, j'ai pas fini l'arrachage des betteraves. Et derrière, donc c'est une 7 corps 4 plus 3 avec chariot, Grégoire et Besson, modèle SPER-B7, sécurité boulon. Voilà, donc c'est une charrue que j'avais achetée d'occasion il y a maintenant 8 ans. Donc comme je laboure peu fréquemment, elle me va très bien pour les grandes parcelles. Et en plus, j'ai une 5 corps portée que je vous présenterai dans une autre vidéo qui me sert pour les plus petites parcelles. Donc voilà. Donc vous pouvez voir la roue de jauge arrière. Les 3 corps, le chariot auquel j'ai rajouté l'éclairage. Les 4 corps avant. Et le tracteur. Allez, on va reprendre. Vous allez me dire pourquoi je laboure alors que j'avais arrêté sur une partie de l'exploitation. Donc cette année, c'est un petit peu particulier, cette parcelle avait beaucoup d'ambroisie. C'était une parcelle de blé l'année dernière qui a eu beaucoup d'ambroisie, que j'ai traité. Et maintenant, par le labour, j'enfouis tous ces résidus et les graines possibles qu'il peut avoir de cette adventice qui est néfaste pour la prochaine culture, comme cette parcelle va être implantée en tournesol l'année prochaine. Donc voilà pourquoi je laboure. Et les conditions commencent d'être un peu plus mauvaises pour pouvoir faire du carat, je ne peux pas passer. Ici, le rouleau bourrerait, donc ça va beaucoup mieux de le faire avec la charrue. Vous venez de voir aussi des images avec le drone du labour. Vous pouvez voir différentes zones de terre
et taille de motte générée par la charrue. Donc, pas d'inquiétude, là où les mottes sont les plus grosses, c'est les pourcentages d'argile les plus gros. Donc c'est là où le gel l'hiver va aller déliter toutes ces mottes et pour créer de la terre fine. Donc au printemps, il y aura sûrement deux passages de vibroculteur à faire ici pour terminer la préparation de sol avant le semis du tournesol. Donc on arrive au bout du champ, je vais vous faire voir un demi-tour, vous voyez en même temps au drone, donc je réduis ma vitesse, je lève ma charrue au relevage, puis au chariot, donc j'entame mon demi-tour, je commence à faire retourner la charrue, ça permet en plus qu'elle se réaligne par rapport à l'entrée de raie, je baisse mon relevage et progressivement je baisse mon chariot pour faire des entames le moins large possible et après je remets la vitesse de travail. Donc si je vous donne, vous avez peut-être vu quelques images, mais si je vous donne quelques données, donc là je laboure à environ 2 hectares à l'heure en termes de débit pour une consommation entre 20 et 30 litres selon les zones de terre avec une moyenne autour de 25 et une profondeur aussi de 25 cm. Donc voilà un petit peu les données du chantier que je suis en train de réaliser. Donc voilà pour cette vidéo, si vous avez des questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Pour les chantiers à venir, j'ai terminé l'interface que je vous avais présentée en vidéo la semaine dernière. Je vous mets 2-3 petits rushs en fin de vidéo de cette vidéo pour vous présenter la fin et je vous la représenterai pendant que je range du matériel justement en action sur le télescopique. Par rapport aux betteraves, à ce jour où je fais la vidéo, on est mardi, donc le début de semaine, j'ai toujours pas fini les betteraves, il reste 12 hectares à arracher, 15 à passer au chisel et 30 à semer en blé. Donc ça fera partie des travaux, comme je vous avais dit, que je vous présenterai dans d'autres vidéos quand j'aurai le temps et la météo propice pour le faire. Allez voilà, je vous dis à la semaine prochaine, ciao, bye bye.